Félicitations, madame, votre enfant est en quasiment bonne santé. Ça veut dire qu'il pourra être musclé et boxer tout le monde à l'école. Je suis trop contente. Et ce serait le champion de tout l'univers. Madame, j'ai pas envie de déglinguer votre rêve, mais en fait, c'est juste pour vous dire que ça sera pas vraiment possible. Votre enfant est obèse. Comment ça, obèse? Il vient juste de naître. Non, mais madame, faut comprendre quelque chose. Votre enfant est en surpoids. Ça veut dire qu'il pèse un peu plus que la normale, quoi. Non, c'est pas... Oh, madame, un peu plus de respect, s'il vous plaît. C'est moi le docteur ici, d'accord? Donc vous allez vous calmer. Vous savez même pas c'est quoi 1 plus 1. Donc vous allez pas parler avec moi. Je vous dis qu'il est obèse, il est obèse. Point final. Docteur de Wish là. Avec ta tête de poire là, quand t'es rentré, j'ai cru que t'étais venu pour faire une chirurgie tellement que t'es moche. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, il a faim, c'est sûr. Non, c'est pas possible, c'est juste parce qu'il a vu ta grosse tête de moucheté. Non, non, madame, c'est juste qu'il veut un Big Mac. Je suis la reine des neiges de Wish. Que la neige tombe jusqu'à qu'il n'y ait plus d'humains. Comme ça, je pourrais manger toutes les courgettes. Avant de continuer, laissez-moi vous montrer comment j'ai pu mettre autant d'effets dans cette vidéo. Et moi, je veux savoir comment t'as fait. Eh bien, c'est très simple, c'est grâce à Wondershare Filmora. Il y a des tonnes d'effets mis à disposition sur ce logiciel. Noël approche, eh bien, ça tombe bien. Vous pouvez trouver plusieurs effets en rapport avec ça. Et en plus, c'est hyper simple. En deux clics, c'est fait. Voilà, maintenant, vous avez fait une vidéo super cool en peu de temps que vous pouvez alors poster sur YouTube. Petit cadeau pour vous pour le Black Friday, il y a une grosse réduction. En plus de ça, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a les effets que j'ai utilisés ainsi que le lien de Filmora. Wow, pizza pépita. Non mais j'en vais absolument une, en plus j'ai trop faim. Non mais maman, s'il te plaît, achète-moi une pizza pépita. En plus c'est bon pour la santé, il y a des légumes. Non, au contraire, c'est pas bon pour la santé. Là, regarde qu'est-ce qu'il y a dans le chariot, des bons légumes. En plus, tu dois faire un régime. Oh non, mais maman, arrête de me parler de régime. C'est bon, en plus il y a une banane. T'es sérieux, je suis pas sage pour manger des bananes, moi. Chut, pas de pizza. Regarde comment t'es gros, c'est docteur qui a dit ça. Mais non, maman, je suis pas gros, c'est des muscles, regarde. Bon, j'avoue, je suis un peu gros, mais je m'en fous, maman. J'ai envie de manger des pizzas. Alors, tu peux m'acheter un Doritos? C'est pire, t'as envie d'avoir le diabète ou quoi? Non, mais maman, s'il te plaît, sois un peu indulgente avec moi. J'en ai marre de manger que des courgettes, des pommes et des bananes. Mais même avec ça, t'arrives même pas à maigrir. C'est parce que je mange des trucs en cachette, espèce de débile. J'en ai marre, c'est bon, là, le dos tourné, je vais exécuter mon plan. Ha 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 ha. On va les voler un coca bien frais chacun. Oh là là, j'en ai marre de boire de l'eau. Moi, un jour, je vais devenir un poisson si ça continue comme ça. Ah là là, beau coca bien frais chacun. Par contre, j'espère que maman va pas me prendre. Sinon, je suis dans le caca moisi. Bon, vas-y, attends, je vais le cacher dans mon ventre. Ah là là, comme ça, on va jamais le trouver. Waouh, j'ai mangé de tomate. Quoi? Jus de tomate? Non, mais elle est folle celle-là. Jus de tomate? Non, mais jamais de la vie, je bois ça. Je préfère boire mon pipi que boire ça. Non, mais oh. Attends, mais tu fais quoi, toi? Non, maman, je regarde les tomates. Pas les tomates. Les bananes, oh, ils sont si beaux, les bananes. Ils sont beaux gosses. Ah là là, rien de mieux dans la vie que de boire son coca bien frais chacal dans le meilleur endroit de la maison, les toilettes. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Ah là là, j'ai tellement envie de dire, quel bijou! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah quoi, non, maman, c'est un malentendu. J'ai pas volé au supermarché, c'est Mouloud. Ouais, c'est Mouloud. Moi, je suis pas un voleur, je suis honnête dans la vie. Attends, tu m'as pris pour une tête de poireau ou quoi? Mais maman, t'as oublié, t'as une tête de poire. Quoi? Non, maman, déjà que je mange rien, j'ai pas envie d'être privé de dessert. S'il te plaît, prive-moi pas de dessert. Vas-y, vas-y, pourquoi je suis gros? Je vais regarder une vidéo sur le téléphone de maman. Ah, c'est trop bon le téléphone de maman, il a un goût de chocolat. Ah, c'est tellement bon, j'ai envie de manger un deuxième. Il est où le téléphone de papa? Ouais, c'est quoi ça? Il se passe quoi là? Il y a un téléphone qui sonne. C'est le téléphone de papa ou quoi? Dis-moi pas que c'est le téléphone qui sonne dans mon ventre. Ah voilà, le téléphone est là. Je te redonne ton téléphone, maman. Passe-moi tout de suite le téléphone, je dois appeler grand-mamie. Oui, oui, maman, tiens le téléphone, tiens, tiens, prends-le. Merci, mais attends, pourquoi il pue le caca? Je sais pas moi, sûrement t'as regardé une vidéo de quelqu'un qui fait caca. Dis-moi pas que tu l'as mis aux toilettes. Non, maman, je te jure, j'ai pas fait ça, au secours. Je vais te donner des fessées. Non, pas des fessées, s'il te plaît. Déjà que je suis privée de dessert, au secours. Et... j'en ai marre de ces fils, ils me saoulent à chaque fois. Oh, Amélia, elle est si belle. Ah là là, je l'aime tellement. Bon, allez, chez un homme, je vais aller lui dire. Amélie, Amélia. Hé, c'est qui ce mec qui me parle, le gros lard? Mais non, je suis pas un gros lard, t'inquiète pas, t'inquiète pas. En fait, je voulais juste te dire que je t'aime. Déjà, je te connais pas, alors 2 mètres de distance, gros lard, va. Mais non, mais je te jure, je t'aime vraiment. Tu m'aimes toi aussi, c'est ça? Casse-toi de ma vie, la gros lard, moi, je sais pas.
plus. Non, 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 reviens, reviens, j'ai même ramené un beignet, j'ai même ramené un beignet pour toi. Attends, tu te fous de ma gueule, en plus tu l'as déjà mangé. Mais j'ai trop faim, c'est pour ça. Bon, moi je pars me chouchine à cause de toi. Oh là là, vas-y, j'en ai marre, c'est toujours comme ça avec moi. Juste parce que je suis gros, tout le monde me déteste. De toute façon, elle était moche, je préfère mon beignet. Je dis pas ça juste parce qu'elle m'a mis un râteau, hein, pas du tout, pas du tout. Bon, pour se consoler, je vais aller manger un truc à la cafétéria. Bonjour madame. Cache-toi là, ça fait 20 fois que je suis bien mangé ici. Mais non, c'est la première fois que je viens, moi. Vous me reconnaissez pas ou quoi? En plus, tu mens. Vas-y là, j'ai trop faim, donnez-moi un truc. Je te donne juste une banane et un jus de pomme. Quoi? Une banane et un jus de pomme? Mais je viens de me faire larguer et tu me donnes ça? Non mais c'est bon, allez, donne-moi plus de trucs là, t'es radine ou quoi? Pour les gros lards, c'est juste faire du sport, pas des autres trucs. Du sport? Mais moi j'ai pas le temps pour faire du sport. Vas-y, s'il te plaît, donne, donne. Mais moi aussi j'ai pas le temps de servir. Ah bon? Alors je vais me servir moi-même. Je me casse. Demain t'aurais pas de dîner. Je m'en fous, pour l'instant j'ai un paquet de Doritos dans ma main. Bien me régaler. Ah là là, par contre, elle a raison. Faudrait vraiment que je me mette au sport. Mais vas-y, là, je peux pas. J'ai trop faim. J'aime trop les Doritos. Parce que là, sinon, je vais devenir Obélix, une molle gaufrière humaine, le truc. Bon, vas-y, je dois rentrer chez moi. Là, il fait tard. La vie dure. Tu veux des bonbons? Ouais, t'es qui, toi? Je suis Jean-Claude. Ah, enchanté, Jean-Claude. Ouais, je veux bien des bonbons. En plus, là, j'ai des Doritos. Les bonbons, j'aimerais bien. Quoi, tu veux des Doritos? Jamais de la vie, je te passe des Doritos. Tu veux 50$, mais pas de Doritos. Attends, tu veux que je te claque? Donne-moi ton téléphone. Mais j'ai pas de téléphone, moi. Je l'ai mangé la dernière fois. Non, non, j'ai pas de téléphone. Tiens, des Doritos. Tu vas me le donner au gros lard? Non, je vais pas te donner, espèce de débile. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tiens! Oh, vas-y, pourquoi tu m'as tapé? Ça fait trop mal. J'arrive même plus à me lever tellement que je suis gros. Tout à ta grosse tête de cornichon, va. Non, reviens, pars pas. En plus, t'as même non, mais vas-y. Moi, je me casse, sinon les gens, ils me croient que t'es mort. Non, vas-y, là, m'intimider. Non, mais c'est qui? Jean-Claude, tu vas voir, je vais me venger. Vas-y, là, comment je vais me lever? En plus, il fait nuit, j'ai même pas de téléphone pour appeler maman. Non, vas-y, c'est bon, j'en ai marre d'être le gros. Je dois absolument remédier à ça. C'est quoi ça? À chaque fois, on m'intimide juste parce que je suis gros. J'arrive pas à trouver de copine parce que je suis gros. J'arrive pas à faire caca tranquillement parce que je suis gros. J'arrive pas à entrer dans une porte parce que je suis gros. C'est bon. Comment ne plus être gros, s'il vous plaît, j'ai envie de maigrir. Qu'est-ce que ça va me montrer? Ah là là, par contre, ça me montre que des trucs de nous. Vas-y, j'ai envie de trouver un bon truc là. Oh, il y a Thibaut in Wish. Ah ouais, lui, il va me montrer comment devenir musclé, c'est sûr. Premièrement, se débarrasser de toutes les cochonneries qu'on a chez soi, comme les Doritos, les biscuits, etc, etc. Vas-y, j'ai le seum. J'ai ajouté toute la nourriture que j'ai dans ma cagette secrète de provisions. Premièrement, le petit donut. Au revoir, je t'ai aimé. Après, le petit air chaiserie, tout ça là, je dois tout jeter, mes chocolats, le petit pancake qui pue un peu, il est un peu pourri, ah là là, et la pizza, ah, pourquoi j'ai jeté la pizza, et pour finir, les Doritos, ah là là, je vais pleurer toute ma vie. Deuxième étape, faire du sport, oui, faut faire du sport pour devenir musclé, faut pas rester juste sur sa chaise, espèce de débile. Ok, je me mets au sport. Allez, je dois courir, allez, allez, on lâche pas, allez, jumping jack, ah là là, ça fait trop mal aux pieds. J'espère que je vais devenir musclé, bordel, avec tous les efforts que je mets. Allez, maintenant c'est l'exercice de levage de mains. Ah ouais, ils sont lourds mes mains, wesh. On dirait que je pèse 1000 kilos. Allez, allez, on lâche pas, je dois courir, je dois courir. Jumping jack, jumping jack, jumping jack. Ah là là. Ah, j'espère que t'as mis beaucoup de légumes, hein, maman. Tu m'inquiètes un peu, pourquoi tu manges plus? T'as la diarrhée ou quoi? Non, non, j'ai pas la diarrhée, maman, inquiète-toi pas. C'est juste qu'en fait, que je vais devenir musclé. Voilà, c'est ça, j'ai envie de devenir musclé. Ah, toi, devenir musclé? Rêve, par loin, cours, cours, cours. Hein, quoi? Mais on dirait que tu te fous un peu de moi, là. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai envie de devenir musclé. Tu crois pas en moi ou quoi? J'ai envie d'avoir les muscles, de plus avoir un ventre rondi, là, tout caca. Non, non, j'ai plus envie d'avoir ça, maman. J'ai envie de devenir fort. Lollipop, t'as cru que t'allais devenir musclé en 10 secondes? Déjà, t'as été gros depuis que t'étais petit. Alors ça, je sais pas si tu vas réussir. Mais je devrais arrêter le sport, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, là, je suis trop débile. Pourquoi je lui dis? De toute façon, je devrais juste arrêter le sport. C'est bon, moi, j'en ai marre. Personne croit en moi. Pourquoi? C'est quoi ça? Même ma propre mère. Vas-y, de toute façon, je vais rester gros toute ma vie. Je pourrai jamais devenir musclé. J'ai travaillé tout ce temps-là pour rien. Toutes les push-ups, tractions, jumpy jack, toutes les courses que j'ai fait, il s'en va rien. Est-ce que tu dis débile? T'as pas vu un changement dans ton corps? T'es devenu beaucoup plus fort. Je te conseille de pas abandonner tes rêves. Même si personne croit en toi, tu dois réussir pour leur prouver qu'ils ont tort. Moi, je crois en toi. Quoi, Bobby, tu parles? T'as raison. Je ferai tout pour leur prouver qu'ils ont tort. Ah là là, c'est tellement dur. Ça fait 30 minutes que je cours comme un chien sur cette machine. Mais comme on dit, pour avoir des résultats, il faut souffrir. Donc je vais souffrir parce que je vais devenir musclé. Je m'en fous. Ah là là, c'est si dur. Hein? C'est qui me parle? Non, mais dis-moi pas que c'est la meuf là-bas. Chaque jour, elle vient m'énerver. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous voulez quoi? Tu veux des burgers? Quoi? Des burgers? Mais vous voyez pas que je fais du sport? Mais t'inquiète, t'es gros. De toute façon, ça va rien faire. Mais là, madame... Oh là là, j'ai envie d'accepter, mais j'ai pas envie d'accepter. Car si j'accepte, je vais plus avoir de muscles. Mais s'il te plaît, t'es le seul client qui est passé aujourd'hui. Oh là là, je sais pas, madame. Vas-y, je vous le prends. Creux, toi, que j'allais manger ton vieux burger tout pourri qui pue la chaussette. C'est pour ça qu'il y a aucun client, espèce de débilos. En plus, tu crois vraiment que je vais me laisser faire comme ça? Vas-y, dégage, toi, espèce de débile. Je vais aller faire mon sport, moi. Non, s'il te plaît. Allez, allez, on court. On lâche pas. Je t'aime, tu vois, mais on va pas me la faire, moi. Je suis ni un gogol. T'as même pas cru en moi. Tu m'as même dit d'arrêter le sport et que je resterai gros toute ma vie. Hein, tu crois que j'ai oublié? Au début de ta naissance, j'ai toujours cru en toi. Je voulais que tu sois champion et tu déglingues tout le monde à l'école. Ouais, bah entre temps, tu l'as oublié, hein. Parce que voilà, quoi. T'arrêtais pas de me traiter de gros et t'arrêtais pas de me laisser faire n'importe quoi. Tu me disais même de manger mes chaussettes, mais t'es sérieuse. Mais j'ai jamais dit ça. Ah, tu te rappelles pas de la fois où tu m'as dit de manger mes chaussettes parce que j'avais rien à manger et t'avais pas à manger toi aussi? Ben oui, parce que je savais que t'allais pas le faire. Eh ben je l'ai fait, en tout cas je t'aime et voilà quoi. C'est pas ouf de dire que t'as toujours cru en moi alors pas du tout. Je me cache, j'ai une entrevue à faire, ok? Désolé mon fils, maintenant je vais toujours croire en toi. Allez, ciao mamie. Bonjour monsieur, qu'est-ce que ça fait de passer de gros à musclé? Ah là là madame, vous savez même pas à quel point c'est satisfaisant. Ah là là, il faut jamais lâcher dans la vie. Croire en ses rêves. Believe in your dream. Ouais, c'est ça, je voulais vous dire. Et aussi, tous ceux qui me regardent, je suis le plus fort, mais vous aussi, vous pouvez le devenir. Donc ne lâchez pas et travaillez. Même si vous êtes gros, si vous avez de grosses fesses, si vous avez une tête de poire, tout le monde peut le faire, d'accord? Merci pour votre présentation. Maintenant, on va voir si vous êtes vraiment le plus fort au monde. Tu vas faire l'alter qui est juste derrière moi. Ah là là, vous voulez me tester, c'est ça? Oui, on va. Ok, ok, moi je suis pas une arnaque. Tellement facile. Waouh, là tu peux partir parce que je pense que tu vas te casser une côte. Je vais pas me casser de côte, c'est toi que je vais casser. Ah là là, regardez comment je suis fort. Oh là là, le mec il est bizarre, je me casse. Bon allez, je vais aller courir un peu avant de déglinguer la personne qui m'a fait souffrir pendant toutes ces années. Hey, comment on se retrouve toi? Alors, Jean-Claude, tu te rappelles pas de moi? Non, je te rappelle pas de toi! Attends, tu m'en fais de tel petit gros, là! Comment ça, le petit gros? Je suis gros, maintenant! Tu peux partir, s'il te plaît? Essaye pour voir! T'es quoi? Moi, j'ai pas peur de toi! Passe-moi tout de suite ton téléphone! Je pense que tu vas mourir. Pourquoi tu m'as tapé? Ça fait trop mal! Eh ben, ça t'apprendra, sale victime! Maintenant, c'est toi qui vas me passer tout ce que t'as sur toi! Ah ouais, t'es vraiment un clochard. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas me suivre. Viens, suis-moi, viens. Regarde comment t'es à terre comme une victime. Les rôles s'inversent, hein. En tout cas, c'est ça la vie. Tu fais quelque chose de mal, eh bien tu te prends un karma. En tout cas, moi je suis pas comme toi. Je vais t'aider à te relever, je vais te ramener à l'hôpital. Parce que là, je pense que tu t'es pris un KO. En tout cas, vraiment, t'es la pire personne qui soit. Mais moi je suis pas comme toi. Je vais pas faire la même chose. T'es trop drôle. Roblox, Bubblox, vous pouvez pas me tester, wesh.
Wesh, la team courgette est invincible. C'est quand vous allez comprendre. Roblox m'a pas banni, j'ai toujours mes pets Adopt Me. Monox ma girafe et surtout mon Frost Fury. Roblox m'a pas banni, j'ai toujours mes pets Adopt Me. Monox ma girafe et surtout mon Frost Fury. J'arnaque les mamies.